Bravo à la République centrafricaine, bravo à toi Dera. Nous disons bravo à la République centrafricaine, bravo à toi Dera pour le travail qu'il a commencé en Afrique et qui est en train donc de se multiplier, par exemple au cas du Mali. Nous attendons que d'autres pays comme le Burkina Faso entrent dans la danse. Tout ce qu'on attend, ou de la Guinée également entre dans la danse. Mais tout est parti, on n'oubliera jamais dans l'histoire que tout est parti de Faustin Akanji Touadéra et que c'est de la République centrafricaine qu'on aura eu les grands moments du chassement de la France en Afrique. Donc pour cela, nous lui disons bravo. Mais depuis plus d'un an que les Russes sont en Afrique, quand les Russes sont en Centrafrique, ben on se rend compte qu'il y a un léger retard dans le calendrier. C'est vrai qu'il n'y a pas une échéancier, mais il y a peut-être un léger retard. Et ça peut nous inquiéter. Nous ne sommes pas là pour parler des choses négatives, mais il peut arriver parfois qu'on tire également la sonnette d'alarme comme nous le faisons pour le cas du Mali. Donc, qu'est-ce qui se passe en République centrafricaine? Les décisions du président sont ne sont plus trop portées vers l'enthousiasme comme cela a été par le passé et n'ont plus un impact significatif. Donc, le président actuellement prend des décisions qui laissent et les Français et le peuple un peu dans l'embarras. C'est ce que nous devons dire. Parce que le président veut à la fois ménager la métropole, la France, et veut à la fois ménager le peuple. Or, les désiderata des peuples sont à l'opposé de ce que veut la France. N'oublions pas que, contrairement au Mali, les autorités actuelles à Bangui ont fait les études en France, en commençant par Touadéra. Donc, il connaît bien le circuit français, il connaît bien les milieux politiques et autres français. Donc, là, quand il veut les ménager, et face au développement de son peuple, à son intérêt de son peuple, cela pourrait poser problème. Parce que le peuple tranche net et voudrait un départ clair et net de la France. Comme cela est en train de se faire progressivement au cas du Mali. Donc, nous demandons pourquoi est-ce que le président Touadéra ne peut pas prendre une décision pour essayer d'arrêter les manœuvres françaises sur son territoire. Par exemple, il a retiré les instructeurs français sur l'occasion donc d'annuler toute la coopération militaire française avec la République centrafricaine et de demander aux Français de ne plus participer aux troupes de la MINUSCA. Donc c'est important. Important parce qu'on a déjà vu des exemples ailleurs. Assimi Goïta a planté tous les avions de la MINUSMA au sol. Touadéra devait faire pareil et achever son œuvre de pacification du pays. C'est ça qui est important pour le moment. Donc nous disons bravo à Touadéra de continuer de l'avant, mais de réveiller davantage le peuple. Nous allons revenir dans une autre vidéo pour dire bravo au peuple centrafricain qui est en train de se réveiller et qui est aussi en train de s'éveiller. Donc si vous avez bien compris cette vidéo dans laquelle nous avons félicité Akanji Touadéra, disons vive la République centrafricaine, mais nous avons posé des inquiétudes, nous tirons un peu une alerte sur cette compréhension. Donc s'il y a des réponses à ces questions que nous avons posées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, ce serait important qu'on essaie de traiter toutes ces questions ensemble pour comprendre où est-ce qu'on va, parce que le devenir de l'Afrique se joue également, ce n'est pas seulement dans les pays où ça va plus fort comme le Mali. Donc merci, mettez-nous des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et vous donnez rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci.